أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى dit dans سورة الإنسان dans le verset numéro 9. Le sens du verset voulant dire, c'est pour la face d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Voulant dire, c'est pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vous nourrit, on ne veut pas de vous ni de récompense ni de gratitude. Et subhanallah, c'est les paroles des gens que Allah subhanahu wa ta'ala il honore dans le Coran, c'est les paroles des gens que Allah subhanahu wa ta'ala met en haut estime dans le Coran, c'est les paroles des gens que lorsqu'ils font du bien, ils ne le font pas pour les remerciements et la gratitude des autres. Et ils ne le font que pour la récompense et la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est super beau dans Sourate Al-Insan, si on continue à lire les versets, je vous encourage de l'écouter et de la lire au complet. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toutes les belles choses qu'Allah va donner à ces gens-là. Par exemple, ces gens-là disent, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur les divans, n'y voyant ni sentant ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines en cristal d'argent dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre puisé d'une source qui s'appelle Salsabil. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et quand tu les regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Mais regardez, subhanallah, Allah subhanallah, maintenant il dit... En arabe, il dit, Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Cela sera pour vous une récompense et votre effort sera reconnu. Subhanallah, les mots en arabe utilisés sont les mêmes. Allah, au début, il avait dit, ou plutôt il avait dit dans la surah, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Donc on veut pas de جزاء ni de شكر. Et maintenant Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Donc voici votre جزاء et voici le شكر que vous attendez. Subhanallah, c'est la récompense la plus belle qu'on pourrait avoir. Parce que si on cherche la gratitude et la récompense des autres, on va toujours être déçu. Parce que l'effort qu'on met ne va jamais... si on le fait sincèrement et si on le fait de tout notre cœur, on ne pourrait jamais être récompensé autant pour tout le bien qu'on a fait pour les autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, si on le fait pour sa cause, si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son plaisir, alors là, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner beaucoup plus et va nous récompenser beaucoup plus que le bien qu'on a fait. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser. On espère que la récompense qu'on cherche va seulement être de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse ne jamais être déçu. Ce monde va nous décevoir, les gens peuvent nous décevoir, tout peut nous décevoir sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on le fait sincèrement pour sa cause et pour son plaisir, on croit sincèrement que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous décevoir et il va nous récompenser avec beaucoup plus que ce qu'on mérite. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah nous fait en sorte que nos efforts soient reconnus et qu'il fait en sorte qu'on continue à faire des bonnes œuvres que pour son plaisir. Jazakum Allah khairan. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.